Elle a une structure logique, si vous voulez. Homogénéité d'espace, homogénéité de l'isotropie de l'espace, homogénéité du temps et principe de superposition, ça nous amène à l'équation Schrödinger. C'est-à-dire, mon psi, c'est ABC, c'est-à-dire c'est le vecteur d'état d'un système, il dépend de la position et du temps. D'accord ? Et ce vecteur d'état dépend du vecteur du temps. Donc là, il y a une dérivée par rapport au temps, de façon qui est pilotée par cette équation. Là, c'est le terme d'énergie cinétique, là, c'est le terme d'énergie potentielle. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous la montrer une fois. Je descends toutes les docs qu'on n'utilise pas. Que ça ne nous encombre pas, on n'utilise pas. Okay, bah, ouais, du coup, on a quelques bouquins là qui ne servent à rien. Oui, c'est ça. Que je vais faire. Alors, ça, nuage de points, par exemple, pour tes modèles, il y en a un, page 370 de. Je mets de côté tout ce qui est. Bon, ça c'est rose. On a du rose, hein. On en a plein, mais c'est un rose-rose. Hein. Pourquoi pas, mais elles sont petites. Par contre. Notre idée c'est d'aller vers les très grandes. Il n'y a que les vertes qui sont très grandes. Ah, hein. Attends, je les cherche. Je crois que j'avais vert et jaune, mais je crois. Le trou noir c'est bien aussi. Ouais. Orange. Orange, verte et jaune, c'est ça que j'avais. Ouais. Et j'ai pas de rose. De toute façon, il n'y avait pas. Ouais, ok, dans les. Les gommettes rouges alors. Il y a les soleils noirs, les trous noirs, ça peut être bien. Ouais, c'est faut petit. Pas. Et puis j'en ai pas beaucoup. Ah si, j'ai ça. Les bleus, j'ai beaucoup de bleus. Noir, orange, hein, on est d'accord. Des petites comme ça, j'en ai pas mal, mais. Celle-là, je crois qu'elle colle plus. Elle trop. Colle très mal. Ça là peut-être un peu mieux, mais on peut se mettre là. Quand mes parents divorcent, j'ai 2 ans. Je ne me souviens pas de grand-chose. Je sais juste que mes frères sont partis vivre avec mon père et sa nouvelle femme. Et que moi, je suis restée avec ma mère et Maria. 2 ans plus tard, ma belle-mère tombe enceinte. Ça, je m'en souviens. Mais ma petite sœur ne vivra que quelques jours. À partir de là, tout part en vrille. Impossible pour eux de faire leur deuil en ma présence. Je suis une petite fille. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça, ce qu'on appelle une variable réelle, c'est-à-dire un point de x, ça va vous donner un certain événement, et puis vous allez évaluer la fonction là-dessus, ça va vous donner une variable réelle. Mais en fait, on s'aperçoit très vite que cette notion de variable réelle, elle n'est pas du tout, elle est pas du tout satisfaisante. Et pourquoi elle n'est pas du tout satisfaisante? Pratiquement, Étienne l'a mentionné dans ce qu'il vous a dit avant. Elle n'est pas du tout satisfaisante parce que les variables continues ne peuvent pas coexister avec les variables discrètes. Pour la raison suivante, le continu et le discret ne peuvent pas coexister parce que si vous avez une variable continue, votre ensemble x ne peut pas être dénombrable puisque la variable va prendre un nombre continu de valeurs. L'ensemble x ne peut pas être dénombrable. Et si l'ensemble x n'est pas dénombrable, et si j'essaie d'avoir une variable discrète, ça ne va pas gagner puisque cette variable discrète. You watch.
Watch, Kitty Watch. Alors, bon, les réunions, je finis ça ce soir. Matrice, elle a été gradée, c'est moi qui dois la faire pour la graveur, et je sais pas qui la grave. Ça fait longtemps que t'as pas fait de graveur, je sais pas si ça te dit. Ça dépend de la complexité. Ouais. De ton truc. Bah, dessus après il y a ton dessin, donc autour de ça là, il faut que tu gardes en tête ce que tu as fait, oublie pas, un dessin à faire en page 1 sur le Big Bang. Ouais. Là, faut que je le fasse de quelle taille? Moitié de page, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, la gravure elle va occuper pile la moitié, elle va se dégrader autour de la moitié. Donc ça c'est toi donc, qui fais. Donc c'est ça. Enfin, ça, si tu avais pris un dessin, c'était différent. C'est pas le rond lui-même, c'est autre chose. Faut pas que ce soit si littéral. Et ce serait bien que ça ait l'air vivant. Que ça fasse pas trop chinois. Est-ce que tu avais montré tout ton dessin? Si, mais je veux que tu t'en souviennes. Si tu me montres ça, j'ai l'impression que tu as oublié ce que tu avais fait. Non, mais... dessiner la comète pour patate. Dessiner le bal des ardents. Dessiner les dards. Donc ça, il faudrait qu'on se fasse ça peut-être ce soir en vis-à-vis. C'est beau. Voilà. Je vais aussi faire des tâches là. Ouais, faut faire gaffe, faut être hyper prudent. Hein. Ouais. Toujours surveiller ses mains et surveiller l'arrière de tes papiers. Ouais. Surtout. Ça trempé, ouais, je te okay. Laisse ça. Hop. Bon courage. Allez, je vais faire ça, du collage à la con. Je vais me marrer.
soit l'Union européenne va constamment au bras de fer et on montre que c'est impossible de mener une politique pour l'égalité. Oh, d'accord, d'accord. Donc ton bras de fer, ok, quand t'as un bras de fer, tu compares le bras de ton copain quand même. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que t'as en face avec tes petits bras? Tu vas arrêter de cotiser, tu vas arrêter de payer, tu vas arrêter de payer tes primes, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ça va aller bien, je pense, tu vois, si je fais une espèce d'ampoule, là. C'était le condamné décapité. Constaté de nombreuses larves dévaginées, ainsi que des larves de spécimens adultes fermement accrochées, témoin d'une infection récente. Et par là même démontré que la cysticercose du porc et le ténia ne sont le fait que d'un seul parasite à des stades différents de sa vie. Comme il est assez perfectionniste, il renouvellera l'expérience en 1859 avec un autre condamné à mort. Parce que le précédent, il est déjà mort. Bon, faut dire qu'en ayant guéri le mec de larves issues de tout le royaume animal, niveau rigueur scientifique, on va l'air passé. D'ailleurs, Kuchenmeister et ses collègues feront la promotion des mesures d'hygiène utilisées dans les élevages. Notamment le lavage des mains des éleveurs de porc après être allé faire caca pour éviter de contaminer l'alimentation du bétail, mais aussi éviter de manger du porc ou du bœuf cru ou insuffisamment. C'est une mesure commune. Caractéristiques physiques bien spécifiques. Le docteur Chabrol a conservé des photos de l'enfant à sa naissance. Quelles sont les caractéristiques alors ? On a sur cette photo une lèvre supérieure là qui est plus longue qu'habituellement, avec une lèvre rouge ici qui est plus fine, et on a des fentes palpébrales ici qui sont un peu plus fines que normalement. Pour le docteur Chabrol, il n'y a pas que les femmes alcooliques qui risquent de donner naissance à un enfant handicapé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Un seul verre pris au mauvais moment peut causer de graves dégâts. Donc. Oui. Le conducteur obsède, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah, on était. Là, il y avait des. Oui, c'est ça que je t'ai dit. Ah, d'accord. Cavitation, bosion. C'est ce que je viens de te dire. Ok, donc je note quand même ce qu'on peut faire. On peut commencer par voir 3. Qu'en pensez ? Sérigraphie, elle est faite. Ouais. Tu ancres et ensuite tu mets le scotch pour protéger. Alors que moi je pensais mettre le scotch avant et l'enlever au moment du tirage. Ah. c'est marrant parce qu'on pense, ça veut dire vraiment qu'on pense à l'envers l'un de l'autre, c'est ça qui est marrant. Les solutions sont toutes les deux intéressantes. Elles sont toutes les deux bonnes. Et pas une meilleure que l'autre. Ah bah une fois que tu as commencé une, par contre faut pas. Faut plus changer. Voilà.
quoi celui-ci, tu vois, là. J'y touche à rien. Il faut que tu le fasses un peu plus. Peut-être charger un petit peu plus. Oui, en haut. Toujours au même endroit. Si, si, tu meurs. Ok. Juste garder à peu près la même distance parce qu'elle est décalée. Ouais. Plus classe. Elle peut être complète, c'est-à-dire sans embryon, ou partielle. Elles peuvent parfois être parfaitement asymptomatiques, on les découvre alors sur l'échographie ou à cause d'une fausse couche, et sinon il n'y a pas de symptômes classiques, mais plus un ensemble de symptômes. Des saignements, un taux de bêta-HCG très élevé, des symptômes de grossesse plus marqués comme les nausées ou les vomissements, bref, rien de spécifique. Les causes sont pas encore bien connues, mais pour un placenta qui se développe tout seul, c'est ça ? Ce serait à cause d'un excès de matériel génétique paternel. Soit c'est un ovocyte qui reçoit deux fois trop de matériel génétique paternel, ça c'est pour le cas des mâles complètes, soit c'est un ovule normal qui reçoit deux fois trop de matériel génétique paternel, ça c'est pour les mâles partiels. Ces quintes, elles sont plus fréquentes la nuit et elles peuvent être déclenchées par à peu près n'importe quoi. Bruit, énervement, alimentation, peur, examen médical, n'importe quoi. Et pendant les quintes, le visage du patient est bouffi, bleu, il s'est nausé en vrai, mais on va dire bleu, avec des veines du cou et du front complètement dilatées, et en dehors des quintes, bah, l'examen est strictement normal. Ok, j'ai une solution, tu vas me dire s'il te plaît. Elle est étrange, mais... Par rapport à quoi ? Par rapport à ta zone de gris. Ah, ok. Viens voir de près. Les cellules infectées ou cancéreuses n'ont plus ce petit panneau. Donc les natural killers en déduisent qu'elles ne sont pas normales et les tuent. Enfin, ils leur ordonnent de mourir par apoptose plutôt. Donc ces cellules appellent les phagocytes et produisent des molécules qui disent « Je meurs, mangez-moi !»
ou danse. Pense, danse. Ah non, j'ai perdu. Je ne sais pas comment tu procèdes, mais moi je commence par les regarder une à une et je mets de côté tout ce qui ne va pas. Oui, c'est ça, je les sans compter. Je compte ce qui reste. C'est ouais, ça, c'est ça. Ce que je comptais faire. Je prends les belles et puis celles qui me conviennent, même si elles ne sont pas belles. Et puis ensuite, je compterai. Dans l'ensemble, elles ne sont pas très propres quand même, celles-là. C'est ce qu'on a fait. On était des gros dégueulasses, une fois de plus. En plus, elles sont collées. Hein, sympa. Ah si, en frottant fort. Bon, attends, je vais le faire alors. Moi, je vais frotter. Ça a l'air pour autant le... Le machin, bah oui, il faut que je vise. Tu peux le sortir, enlève dire ton aiguille, peut-être ça va être plus simple et ouais, et récupérer. Oh, bah.